C'est presque le maître et l'élève hein, qui se retrouvent face à face. Une génération de différence. Puisque l'un a 17 ans et l'autre 26. Puis tous les opposent. Hein. Andburen, il fait 1m52. Bielkov, il fait 1m78. 47 kg pour l'Allemand, 78 pour le Canadien. Allez, c'est parti pour Bielkov là. Avec le premier lâché, c'est maintenant. Attention. Oh, aïe, 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 la chute. Ouh, aïe, 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 aïe. Et puis il aurait pu se faire très, très mal, Alexander Bielkov. Chute sur le lâcher de barre à pleine vitesse en plus. Regardez, il a du mal à remettre ses mains sur la barre ici. Là, il met les doigts sur la barre en fait. Il tape les doigts sur la barre. Il ne peut pas récupérer. Alors c'est fini pour le Canadien. Et puis là, il est un petit peu déconcentré. Ouais, la chute du Canadien, ça arrive même au meilleur. Alexander Bielkov